Okay, now I have to turn off the French brain and turn on the English brain. I am personally very, very touched by what I heard the Lord saying for this church today. J'ai été vraiment touchée par ce que le Seigneur nous a parlé et nous a dit pour cette église aujourd'hui. He gave me a passage that we're going to start with. He gave me a passage in scripture that we will start with. Alors le Seigneur m'a donné un passage de l'écriture par lequel nous allons commencer. And that passage is found in Hebrews chapter 6 verse 9 to 12. Ça se trouve dans Hébreux 6 9 à 12. You'll see it on the screen in English, I think. Yes. Yes. If you have a French Bible, please read along. Si vous avez une Bible française, suivez sur votre Bible. Merci. Listen to the heart of God as we read. Écoutons la voix de Dieu alors que nous lisons ce passage. But beloved, we are persuaded better things for you and things that accompany salvation, though we thus speak. Verse 10. Next verse. Prochain verset. For God is not so unrighteous to forget your work and the labor of love which all of you have showed toward his name, in that all of you have ministered to the saints and continue to minister. Verse 11. And we desire, now I want you to hear when it's we in this sentence, it's Father, Son, and Holy Spirit. We desire that every one of you show the same diligence to the full assurance of hope all the way to the end. Verse 12. That all of you will not be slothful or lazy, but followers of those who, through faith and patience, inherit the promises. The title of my message today is The Union of Faith and Patience. But I'm going to change the word patience. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, c'est le mariage entre la foi et la patience. We're going to say the union of faith and perseverance. On va plutôt dire aussi le mariage entre la foi et la persévérance. Because perseverance is closer to the language of origin in this passage. Parce que le mot persévérance est en fait plus proche du mot original dans ce passage. Patience gives us the idea of, you know, waiting in line, not doing anything. La patience, on pense plutôt, on s'assied, on attend tout simplement. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? We're waiting for the microwave to finish cooking our dinner. Bon, alors là, on attend que le microwave, micro-ondes. Le micro-ondes finisse sa cuisson. But in fact, that's a very passive position. Mais en fait, la patience représente quelque chose d'un peu plus passif. And the real word is a very active word, perseverance. Mais en fait, le mot persévérance, ça implique quelque chose de beaucoup plus actif. So, if you're hearing the heart of the Lord today, he wants us to imitate those who by faith and perseverance inherit the promises of God. Alors, ce que Dieu voudrait, c'est que nous imitions ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent les promesses de Dieu. And these two elements come together, two ingredients come together to make us arrive at our goal. Et ces deux éléments sont capitaux et essentiels pour pouvoir arriver au but de notre vie. It's two aspects that are complementary. Ce sont deux aspects de la vie qui sont tout à fait complémentaires. That are associated. Ils sont associés l'un à l'autre, liés l'un à l'autre. You've probably learned this if you've lived in France for a few years. Si vous avez déjà habité en France depuis quelques années, vous devez savoir ceci. In the vineyards, they always look for a wine to associate with or to pair with the right food, right? Alors dans un vignoble, il y a toujours les gens pensent toujours à une association de nourriture avec le vin qui va avec. So today God is looking to pair faith with perseverance. Alors aujourd'hui, Dieu veut que nous associons notre foi à la persévérance. And you know what? I believe that faith and perseverance have remained single way too long. Et vous savez quoi? J'ai l'impression personnellement que la foi et la persévérance sont restés célibataires beaucoup trop longtemps. God wants them to be married. Dieu veut que nous les marions ensemble. To be united. Il veut que la foi et la persévérance soient unies. To work together in our lives. Parce que ça travaille ensemble dans notre vie. You know, faith without perseverance does not go forward.
Vous savez que la foi, sans la persévérance, on ne peut pas avancer. It remains where it is. But perseverance without faith will simply make you exhausted. Mais aussi, il faut savoir que la persévérance sans la foi, ça va finir par nous épuiser. We must have both. Il faut que nous ayons les deux ingrédients. Faith is like a seed of a reality, a truth. La foi, c'est comme une semence d'une réalité, d'une vérité. And perseverance is like the fertile ground where that seed is planted. Et la persévérance, eh bien, c'est comme le sol dans lequel on plante cette semence. You need both to see the fruit grow. Il faut qu'on ait les deux pour que ça grandisse. If you only have a seed, it won't produce fruit. Si vous avez une graine de foi, tout seul, à part, ça ne va rien produire. And if you only have fertile ground with no seed, that doesn't produce fruit either. Et si vous avez de la terre, mais qu'il n'y a pas de semence, eh bien, ça ne va pas produire de fruits. We must have both to see the fruit. Voilà, le but, c'est qu'il faut avoir les deux pour pouvoir produire du fruit. The fruit of God's accomplishing His promises in our lives. Et le fruit, eh bien, ce sont les promesses que Dieu nous a données dans notre vie. And this is true for you and I, for you and me, as individuals and as a church family. Et ça est tout à fait vrai au point de vue individuel, les promesses que Dieu vous a faites, et au niveau de l'Église, les promesses que Dieu nous a faites. Faith. Without perseverance is like vinegar without oil in your salad dressing. It doesn't stick. La foi sans la persévérance, eh bien, c'est comme un assaisonnement de vinaigre avec sans huile. Ça va pas coller à la salade. Faith brings you to the very threshold of your miracle. La foi va vous amener au seuil de votre miracle. And perseverance makes you enter into your miracle. Et la persévérance va vous faire entrer dans ce miracle. It was faith to cross. It took faith to cross the Jordan. Ça a demandé de la foi pour pouvoir passer par le Jourdain, au travers du Jourdain. But it took perseverance to inherit the promised land, one city at a time. Mais il a fallu que le peuple d'Israël ait de la persévérance ensuite pour prendre le pays, ville après ville. It takes faith to go from to the next season, the next phase. Ça demande de la foi pour avancer jusqu'à la deuxième phase de notre vie. But it takes perseverance to possess what belongs to you. Mais il faut de la persévérance pour prendre ce qui vous appartient. To take possession of your promises. Pour prendre la possession des promesses de Dieu dans votre vie. We can say that faith is like the engine of your car. On peut dire que la foi, c'est comme un moteur d'une voiture. And perseverance is like the gas that you put in the car. Et la persévérance, eh bien, c'est l'essence que vous mettez dans la voiture. I almost ran out of gas on my way to church this morning. Aujourd'hui, j'ai presque été en panne d'essence en venant à l'église. I was getting closer to the highway when all of a sudden my car made this noise. Beep! Like really loud. Je suis arrivée proche de l'autoroute, tout d'un coup, ma voiture a fait beep! And it freaked me out. It really surprised me. J'ai eu très peur. And I looked at my gauge and I realized, uh-oh, I better stop at the station before I get on the highway. Et j'ai vu la petite lumière rouge, le petit voyant qui s'est allumé. Et je me suis dit, il faut absolument que j'aille mettre de l'essence. And praise the Lord, there was a station, a service station nearby. Et merci Seigneur, j'ai trouvé une station d'essence pas trop loin. But the same is true for us. Et c'est la même chose dans nos vies. God wants to make us get on the highway to go faster and further and reach our destination. Dieu veut que vous alliez sur l'autoroute pour aller plus vite dans votre vie, pour arriver à votre destination finale. And we can't run out of gas. Et absolument, il faut que vous ayez de l'essence. We can't run out of perseverance. Et il ne faut pas avoir un manque de persévérance. Because we have many more kilometers to go together, to drive together. Il y a encore beaucoup de kilomètres à faire. Amen. Amen. So, don't be surprised if today you might hear the Holy Spirit go beep. Alors, you need to fill the ne tank. Vous étonnez pas si tout d'un coup vous entendez le Saint-Esprit faire beep dans votre voiture, God dans votre vie. C'est All que right? Dieu est en train de vous parler. Faith with perseverance. La foi et la persévérance. Faith is like a trigger. La foi, c'est comme un déclencheur. And perseverance is like the velocity that makes you hit the target. Et la persévérance est cette force qui vous pousse à aller de l'avant et à réussir à atteindre le but. Faith is like putting shoes on your feet. La foi, c'est comme mettre des chaussures le matin. And perseverance is like the laces that attach the shoe to your foot. Et la persévérance, c'est comme les lacets qui attachent votre chaussure à votre pied pour que vous puissiez marcher. How many of you ladies know that we cannot run in heels?
Combien d'entre vous, les femmes, savez que on ne peut pas courir dans des talons. On ne peut pas courir avec les talons. Because I start running and whoop, my shoe falls off. Voilà, je ne peux pas le faire, ça. C'est des bottes. So I need laces. Alors, il faut des lacets. The perseverance to keep me running in faith. Il me faut de la persévérance pour arriver au but. The Bible says in Hebrews 11:6 that without faith, it is impossible to please God. Il est dit dans Hébreux 11:1, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. But at the same time, without perseverance, it is impossible to accomplish our destiny. Mais en même temps, sans la persévérance, vous ne pourrez pas atteindre votre destinée. You know, it's your faith that delivers you, but it's perseverance that keeps you free. Vous savez que c'est votre foi qui vous délivre, mais que c'est votre persévérance qui vous garde délivré. We have to have both. On a besoin des deux. It's your faith that sees your whole family saved. C'est votre foi qui voit votre famille sauvée. But it's your perseverance that covers every member of your family in prayer until they get a breakthrough. Mais c'est votre persévérance qui va vous pousser à continuer à prier jusqu'à ce que vous ayez la percée spirituelle dans votre famille. It's your faith that heals you, but perseverance that keeps you healed or healthy. De même, c'est la foi qui vous garde en bonne santé, mais c'est la c'est la foi qui vous guérit, mais c'est la persévérance qui vous garde guéri. You know, for years in my own personal life, I've had issues with my thyroid. Personnellement, dans ma propre vie, j'ai eu des problèmes et des anomalies avec ma thyroïde. And it started off totally unbalanced. Highs and lows, and highs and lows. C'était complètement déséquilibré. Ça montait, ça descendait au niveau des fluides. But today I know because my faith says my thyroid is healed. Mais aujourd'hui, je peux dire par la foi, oui, ma thyroïde est guérie. Period. Full stop. Point. C'est tout. But perseverance. Mais la persévérance. Taking medication in smaller and smaller doses until the healing manifests. Eh bien, ma persévérance à moi, eh bien, c'est de prendre de moins en moins de médicaments avec des dosages un peu plus faibles à chaque fois. We need both. On a besoin des deux. We need to unite faith and perseverance to see the accomplishment of God's promises. Il faut absolument marier la foi avec votre persévérance pour accomplir les plans de Dieu dans votre vie. And to do so, we need to nourish both faith and perseverance. Et comment fait-on cela? Eh bien, il faut nourrir la persévérance, il faut nourrir la foi. How do you nourish your faith? Comment nourrissez-vous votre foi? Faith comes by hearing and hearing by the la foi, word of God. La foi vient en écoutant la parole de Dieu. That's in Romans 10:17. And at the same time, perseverance is like the living water of the Holy Spirit that waters the word. Et la persévérance, eh bien, elle est nourrie par l'eau du Saint-Esprit. In other words, you and I are called to be people of the word. Autrement dit, nous devons être des gens de la parole, c'est-à-dire qu'on lit la Bible. And we study the Bible and we on l'étudie, proclaim the Bible. On proclame la parole de Dieu. That's how you feed your faith. C'est comme ça qu'on nourrit sa foi. You hear God speaking to you through the Bible. Parce que par la Bible, on entend la voix de Dieu nous parler. And at the same time, you learn how to walk in the Spirit. Et en même temps, on apprend à vraiment marcher dans l'Esprit. Because that's the perseverance part. Ça, c'est la part de la persévérance. You know, perseverance doesn't mean you're trying harder. La persévérance, ça ne veut pas dire que vous essayez dur, dur. It's not a question of your human strength or your fleshly carnal power. Ça n'a rien à voir avec votre caractère personnel, votre puissance charnelle. It comes from cultivating a life in the spirit. Mais ça vient en cultivant une vie de l'esprit. So when you learn to nourish your faith and your perseverance, you enter into your destiny. Alors, lorsque vous apprenez à nourrir à la fois votre foi et votre persévérance, vous allez entrer dans les choses de l'Esprit et la destinée. Are you following me? Vous me suivez? All right. We're going to look at three examples in the Bible. On va regarder à trois exemples dans la Bible. The first one is found in John chapter 2. Alors, le premier exemple est dans Jean chapitre 2. And I believe you know this story because Jesus finds himself in the town of Cana. Je pense que vous connaissez cette histoire. C'est l'histoire où Jésus se trouve dans la ville de Cana. And he's attending a wedding. He is attending a wedding. Ah, et il est au milieu d'un mariage, d'une fête. And you know the miracle? What did he do there? He changed the water into. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a transformé l'eau en
Vin. Wine. All right. Verse 11. Verset 11. This is the first of his miracles, or the Et first ce fut of his signs, le premier de ses miracles, la Bible dit. That Jesus did at Cana in Galilee. En Galilée, à Cana. And he manifested his glory. Il a manifesté sa gloire. And his disciples believed. À cause de ce miracle, ses disciples ont cru en Jésus. All right, so there's the faith part. They saw the miracle, they believed. Voilà la foi. Ils ont vu un miracle et ils ont cru. The next verse, 12. After this, he went down to Capernaum with his mother and brothers and disciples and stayed for a few days. Alors, verset 2, il est dit que Jésus ensuite alla à Capernaum avec ses disciples, sa mère et ses frères. So, does the Bible say when they left Cana and got to Capernaum, they saw miracles again? Alors, je vais vous poser cette question. Est-ce que lorsqu'ils sont arrivés à Capernaum, est-ce que les disciples ont vu d'autres miracles? No, it doesn't say they did. Non. Was it time for another miracle in Capernaum? Est-ce que c'était le temps pour un autre miracle à Capernaum? No, not non, yet. Pas encore. That was time for Jesus to spend with his disciples and Pourquoi? His family. Pourquoi? Parce que c'était en fait un temps spécial où Jésus a passé du temps à communier avec ses disciples et sa famille. In other words, the only way the disciples would get to their next miracle is if they stayed with Jesus. Et alors, en fait, pour que les disciples puissent voir un second miracle, il a fallu qu'ils restent près de Jésus et qu'ils le suivent. They go from place to place with Jesus. They get to know him. They spend time with him. Ils sont allés de lieu en lieu avec Jésus. Ils ont suivi Jésus. Ils ont passé du temps avec lui. When Jesus got up to take a walk, the disciples got up to take a walk. They followed him. Lorsque Jésus allait quelque part, il marchait, eh bien ses disciples le suivaient. Ils le suivaient. When Jesus sat down to eat a meal, his disciples followed him, sat down and ate with everybody. Lorsque Jésus est allé manger, il s'est assis à table et ses disciples l'ont suivi, ils sont venus à table avec lui. It wasn't time for the miracle, it was time for fellowship with Jesus. Ce n'était pas le moment des miracles, c'était le moment de la communion avec Jésus-Christ. Then we see in verses 13 through 17, the next step was he went up to Jerusalem with his disciples. On voit du verset 13 au 10, au verset 17 que Jésus est ensuite allé à Jérusalem. They followed him there because they knew that Passover was not far. Ils l'ont suivi parce que c'était bientôt la Pâque. And that when they got to Jerusalem, in the first thing they see Jesus do is cast out all the money changers. Et voilà ce qui s'est passé lorsqu'ils sont arrivés à Jérusalem. Les disciples ont vu Jésus qui chassait tous ces marchands du temple, qui purifiait le temple. You know, these guys were pretty sneaky about their sales. Vous savez, ces marchands étaient assez un petit peu frauduleux. Enfin, ils étaient un peu attachés vraiment à leur argent. It's not, Jesus isn't against selling things. Jésus That's not it. Jésus n'est pas contre le commerce. We have books available at the book table to equip you, right? On a même des livres à notre bibliothèque pour aider et vendre à faire toutes sortes de choses. But Jesus knew the motives that these money changers had. Mais Jésus connaissait le fond du cœur de ces personnes qui faisaient le change de monnaie. They had selfish motives. Ils étaient égoïstes. They wanted more money. Ils étaient avides d'argent. They even brought the prices up because they knew Passover was just around the corner. Et même ils augmentaient les tarifs parce que la fête était là, donc c'était l'occasion. They might have even been able to have a gilet jaune manifestation. Ils avaient même une sorte de gilet jaune. Because they were trying to get more money. Démonstration. It wasn't for the temple. Ils n'étaient pas intéressés au temple. Tout ce qu'ils voulaient, c'était gagner de l'argent. It was for their own interests. C'était leur propre intérêt qui primait. Jesus decided now is not the time for a miracle, but for purification. Et là, Jésus a dit non, ce n'est toujours pas le temps pour un miracle, mais c'est le temps de la purification du temple. And that's why he got rid of the salesmen. Et c'est là qu'il s'est débarrassé de tous ces gens autour du temple he qui said, vendaient. You will not change the house of my father into a den of thieves. Et il a dit, vous ne ferez pas du temple de mon Seigneur un temple de voleurs. So what do we see? First miracle in Cana. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Premièrement, un miracle à Cana. Fellowship in Capernaum. Ensuite, à Capernaum, la communion avec ses disciples. Just before Passover in Jerusalem, purification. Et juste avant la Pâque, avec ses disciples dans le temple, il y a eu une purification. In other words, communion with God and purification is what happens while you're persevering for your next miracle.
Donc, en d'autres termes, ce qui va se passer avant votre second miracle, eh bien, c'est un moment de communion avec le Seigneur et un moment de purification. But only if you keep following Jesus. Mais cela ne peut se produire que si vous continuez à suivre Jésus. Have you continued to follow Jesus after your first miracle? Avez-vous persévéré après avoir eu votre premier miracle? Avez-vous continué à suivre Jésus? What was your first miracle? Quand était votre premier miracle? You're born again, right? Salvation. Vous vous êtes né de nouveau. C'était le salut, n'est-ce pas? So have you stuck close to Jesus and go wherever he goes since then? Est-ce que vous vous êtes accroché à Jésus et êtes-vous allé partout où il est allé depuis? Have you had times of communion with him? Avez-vous eu un temps de communion avec lui? Have you allowed him to purify you? L'avez-vous laissé vous purifier? Those two things are necessary, brothers and sisters, if we're truly going to persevere to the end. Ce sont des choses absolument nécessaires si vous allez persévérer et arriver jusqu'au bout de votre course. Now look what he encounters in verse 18. Alors, verset 18. So the Jews said to Jesus, "What miracle are you going to show us for doing these things?" And Jesus answered them, saying this, "If you destroy this temple, I'll build it up in 3 days." Les Juifs prenant la parole lui dirent, "Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte?" Jésus leur répondit, "Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai." You see what he's encountering? He meets people who want a miracle right away. Alors les gens, voyez-vous, voulaient un miracle là tout de suite, maintenant. Was he talking about destroying the physical building and building it up again? Est-ce que Jésus était en train de dire qu'il allait détruire le temple physique et ensuite le reconstruire? No, he wasn't. He was talking about his own body. Non, pas du tout. Il parlait de son propre corps. The temple of God. Le temple de Dieu. He was not going to be destroyed the next day. It was going to be 3 years later. Et cela ne s'est pas produit le jour suivant. Les disciples ont dû attendre 3 ans. He was speaking of a future miracle. Car il parlait d'un miracle qui arriverait dans le futur. But how many of us want to see our miracle right away? Et combien d'entre nous on veut voir un miracle là maintenant tout de suite? You know, sometimes God gives us a promise and we assume that it means immediately. Parfois, Dieu nous donne une promesse, voyez-vous, et on pense que voilà, ça va se passer demain ou tout de suite. But that's not always the case. Mais ce n'est pas toujours le cas. Why? Because we need to add to our faith perseverance. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ajoute à notre foi de la persévérance. Verse 22 says, "When therefore Jesus was raised from the dead, 3 years later, his disciples remembered what he had said that day, and then they believed the scripture and the word that Jesus had spoken." Alors verset 22, il est dit, c'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité des morts, c'est-à-dire 3 ans plus tard, ses disciples se souvèrent de ce qu'il avait dit et ils crurent dans l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. So what happened when they saw that miracle? Alors qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont vu ce miracle de la résurrection? They believed the written word, the logos of God. Ils ont cru à la parole de Dieu, le logos de Dieu. And the spoken word from the mouth of Jesus, et the rhema. La parole rhema qui était sortie de la bouche de Jésus lorsqu'il a prophétisé. They were all able to have faith on the day of his resurrection, except Thomas, he took longer. Ils ont tous eu foi dans la parole de Jésus au jour de la résurrection, sauf pour Thomas, parce qu'il a un petit peu douté. Because 3 years earlier, they received the word coming from the mouth of Jesus. Pourquoi? Parce que 3 ans plus tôt, ils avaient reçu la parole du Maître. Matthew 4:4 says that man shall not live by bread alone, but by every word that comes out of the mouth of God. Rhema. Matthieu 4:4 dit que l'homme ne vivra pas seulement de du pain, mais de la parole de Dieu. De toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. So in other words, faith births or ignites perseverance, and then perseverance produces more faith. Voilà ce qui se passe. En fait, la foi va allumer la persévérance, et la persévérance va produire plus de foi. The rhema word sowed the seed of faith. La parole rhema va mettre de la foi dans ton cœur. They persevered for 3 more years. Ils ont persévéré 3 ans supplémentaires. They saw the resurrection. Ils ont vu la résurrection du Christ. And then they believed the word. Et alors, ils ont cru. That's why we need both faith and perseverance. C'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier la foi de la persévérance. On en a tous besoin. Amen. Now look at verse 23. Alors verset 23, regardez ce qu'il est dit. Now while Jesus was in Jerusalem at
the Passover festival, many people saw the signs and wonders he was performing and believed in his name. Pendant la Pâque, alors qu'ils étaient à Jérusalem, plusieurs crurent en son nom en voyant tous les miracles. That's when the next miracle started. Voilà, le miracle suivant est arrivé, enfin. I find it very interesting that it happened at Passover. Et moi, je trouve ça très intéressant que cela se soit passé lors de la Pâque. If you were listening to the announcements, you discovered that we're going to celebrate Passover in this church on April 20th. Si vous avez vu les annonces, vous savez que nous allons bientôt fêter la Pâque. Every time we celebrate the feasts of the Lord, it is a time for miracles. Et à chaque fois qu'on célèbre la Pâque, c'est le moment du miracle. And the miracles that happened that day in Jerusalem had many believers coming to Jesus. Et grâce à ce miracle qui s'est passé lors de la Pâque à Jérusalem, eh bien, il y a eu beaucoup de disciples. But the next part is important too, verse 24. Et au verset 24, il y a un point qui est très important également. Jesus was not willing to entrust himself to all those people who said they believed. Jésus ne se fiait pas à tous les gens autour de lui qui disaient qu'ils croyaient en lui. Because he knew those people. He knew their hearts. Parce qu'il connaissait chaque personne, il connaissait le cœur de tous. He did not need any testimony about humanity because he knew exactly what was in the heart of every person. Il n'avait pas besoin qu'on lui témoigne de quiconque parce que lui-même connaissait le cœur de chacun. You know what? Jesus knows what's in the inside of you. Savez-vous quoi? Eh bien, Jésus connaît votre cœur à vous personnellement. He knows if you have genuine faith. Il sait si vous avez vraiment de la he foi véritable. Il if le you sait have perseverance. Si vous avez de la persévérance. He knows if you have motives that are pure or impure. Il sait très bien si vous avez des motifs purs ou impurs. He knows your thoughts. Il connaît vos fautes. He knows why you say what you say. Il sait exactement pourquoi vous dites ce que vous dites. You know, in your physical body, you need vitamin D in order for your bones to absorb calcium and be strong, solid. Vous savez que votre corps a besoin de vitamine D pour que les os puissent se calcifier, hein. You need absorber both, le calcium, oui. Both elements, vitamin D and calcium. Il faut pour cela, pour vos os, de la vitamine D et du calcium. And in your spirit, it's the same. You need faith and perseverance to make you solid, strong. Et dans l'esprit, c'est la même chose. Il vous faut de la foi et de la persévérance pour que vous soyez fort. So the Lord is saying to us today, is there any perseverance in your heart? Alors le Seigneur regarde aujourd'hui l'assemblée et il vous regarde, il dit, est-ce qu'il y a de la persévérance ici quelque part dans votre cœur? Is there faith in your heart? He's looking. Est-ce qu'il y a de la foi dans votre cœur? Il regarde. Second example from the Bible. Alors un second exemple de la Bible. Luke 18. Dans Luc 18. The first part of the chapter talks about this widow who knocks on the door of the judge every day to get justice. Alors dans ce passage, on parle de cette veuve qui frappe à la porte du juge tous les jours pour qu'on lui rende justice. And Jesus told this parable to underscore how persistent this widow was. Et Jésus racontait cette parabole pour démontrer comment cette veuve était persévérante dans sa demande. So at the end of the parable in verse 7, Luke 18:7, Jesus says this. Au verset 7, à la fin de la parabole, il y est dit: Won't God give justice to his chosen ones who cry out to him day and night? Will he delay over them? Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Ne tardera-t-il pas à leur rendre justice? I tell you, he will give justice to them promptly or speedily. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. So he's honoring this woman who had perseverance. Dieu honore ceux qui ont de la persévérance. But look at the next sentence. Et regardez la phrase suivante. Nevertheless, when the Son of Man comes, will he find faith in the earth? Mais cependant, lorsque le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il de la foi? God is saying, it's great that you have perseverance, but you need to add faith. Alors Jésus est en train de dire, c'est bien que tu as de la persévérance, mais il faut y ajouter de la foi. Because I see exactly what's in your heart. Parce que je vois toutes choses de ton cœur. It's great that you have faith, but now you need to add perseverance. C'est bien, je vois qu'il y a de la foi dans ton cœur, mais as-tu de la persévérance? The two go together. Les deux vont ensemble. You know, faith says, thank you, Lord, it is done, it is finished, it is accomplished. La foi, c'est quelque chose qui te fait dire, merci Seigneur, je sais, tout est accompli, tu l'as fait Seigneur.
It doesn't say, oh, please, Lord, I beg of you, please give me this miracle. La foi, c'est pas supplier Dieu, oh Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ce miracle. God can answer that kind of prayer because of his mercy. Dieu, bien sûr, peut répondre à cette prière grâce à sa miséricorde. But he's looking for children who trust him and who thank him for what he has already promised. Mais il cherche des enfants qui ont la foi en lui et qui le remercient pour ce qu'il a déjà accompli. Because according to Hebrews 11:1, faith is the substance or the assurance of things not yet seen. Car Hébreux 11 dit, on ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. C'est la foi, c'est quelque chose que l'on espère. And when you begin to know your identity in Christ, et lorsque vous connaissez votre identité en Christ, know his word and his promises, que vous connaissez sa parole, ses promesses, you will find that your language and vocabulary of prayer totally changes. Vous allez découvrir que votre prière va complètement changer au niveau de votre vocabulaire. It's no longer like the beggar on the street. Please, may I have a miracle? Vous ne serez plus comme un mendiant dans la rue. Pitié, Seigneur, donne-moi un miracle. It will be confident, vous serez certain, confiant, sûr, and established in your identity as his child. Vous saurez que vous êtes en Christ, thank you, en tant qu'enfant de Dieu, en what remerciant you, le Seigneur. What you said is true. Merci, Seigneur, ce que tu as dit est vrai. I believe it. Je le crois. And I will persevere until I see it with my eyes. Et je vais persévérer jusqu'à ce que je le voie avec mes yeux. You see how faith and perseverance goes together? Voyez comment marche la foi couplée de la persévérance? All right, last example, Acts chapter 14. Alors, un dernier exemple dans Actes 14. We're going to read the story in verse 19. On va lire l'histoire au verset 19. To 22, and just follow along if you have a French Bible. S'il vous plaît, si vous avez une Bible en français, on ne va pas le lire. Suivez avec nous. This time it's not in the Gospels, it's in the book of Acts in a young church learning how to walk in faith. Okay? Alors là, il s'agit dans le livre des Actes, une église, l'histoire de l'église, le début de l'église, elle est jeune. Now the Jews came from the cities of Antioch and Iconium. Having persuaded the crowds, they stoned Paul. And then they dragged him out of the city and supposed that he was dead. Now when the disciples gathered around him, he rose up. He wasn't really dead, right? He rose up and he went back into the same city where they had just finished stoning him, all right? And on the next day, he went with Barnabas to another city called Derbe. When they had preached the gospel to that city and they made a whole bunch of disciples, they came back to Lystra and what other two cities? Iconium and Antioch. Well, that's where his persecutors came from. That's where the ones who were stoning him came from, those two cities. But that did not deter Paul. He came to those cities, and what did he do? Number one, strengthened the souls of the disciples. Number two, encouraging them to continue in the faith, or to persevere in faith, saying that it is through many tribulations that we enter the kingdom. Do you see what happened? Vous voyez ce qui s'est passé dans ce passage? Paul is stoned. On a lapidé Paul. They drag him out. On l'a emmené dehors. He goes right back. Il est reparti tout de suite, aussitôt. To the place where he was persecuted. Là où on l'a persécuté. He accomplishes his mission. Il accomplit sa mission. By going to the other cities and evangelizing and making disciples. En continuant de visiter les autres villes alentours et en faisant des disciples. Then he comes right back to the place where his adversaries were. Et ensuite il retourne là où justement ses adversaires se trouvent. In other words, despite the trials, he continued the mission. Donc en fait, malgré toutes les épreuves qu'il a pu avoir, il a continué sa mission. They continued to believe. Him and Barnabas. Lui et Barnabas, Paul et Barnabas, ont continué à croire en Dieu malgré les persécutions. They continued to preach. Ils ont continué à prêcher. They didn't give up. Ils n'ont pas abandonné. They didn't withdraw. Ils ne se sont pas retirés de la course. They didn't surrender. Ils n'ont pas tout laissé tomber. What kept them going in the face of such persecution? Qu'est-ce qui les a poussés à continuer malgré cette persécution qui leur est arrivée? Here's the key. Voilà la clé. They did not fix their eyes on the price they had to pay, but on the prize that was waiting for them. Ils n'ont pas fixé leurs yeux sur la souffrance qui leur arrivait, mais plutôt sur la récompense qui allait arriver.
They kept their eyes on the reward. Ils ont regardé à cette récompense qu'ils allaient recevoir. That's how Jesus stayed on the cross, brothers and sisters. C'est ce que Jésus a fait également sur la croix. The Bible says that in view of the joy set before him, he endured the cross and despised the shame. La Bible dit, malgré la honte et la souffrance de la croix, il a persévéré jusqu'au bout en voyant déjà d'avance la récompense. He wasn't focusing on how hard it was. Il ne s'est pas attardé sur le fait que c'était vraiment très très dur. He was focusing on the mission and the promise of God. Il focalisait toute son attention sur sa mission et les promesses que Dieu lui avait faites. That's how you enter into your inheritance, brothers. C'est comme ça que vous recevez votre héritage, mes frères et mes sœurs. With faith. Avec la foi. With perseverance. Avec la persévérance. Keeping your eyes on the reward. En ayant les yeux fixés sur votre récompense. And that's what God wants to speak to our hearts today. Et c'est ce que Dieu voudrait vous dire à vos cœurs aujourd'hui. Because when God looks at this church, he sees a people that rises up in faith. Et lorsqu'il regarde cette église, il voit des gens qui se lèvent dans la foi. They will not flee in the face of adversity. On ne va pas fuir en face de l'adversité et des épreuves. They will not give up in the face of difficulty. On ne va pas abandonner face aux difficultés. Jesus is looking at us right now. Jésus vous regarde et nous regarde maintenant. And he is reminding us that the privilege of knowing him and serving him is way better than the price we have to pay. Il voudrait vous rappeler que le fait de le servir, c'est quelque chose d'extraordinaire, qu'il y a une récompense énorme derrière. Our eyes are on the prize. Il faut que nos yeux soient fixés sur la récompense à venir. And not the price. Et non pas le prix à payer maintenant. That's what will keep us walking in this divine union of faith and perseverance. Et c'est ce qui va nous garder dans la foi et la persévérance ensemble. Let's finish with this verse. On va terminer avec ce verset. 2 Peter chapter 1. 2 Pierre chapitre 1. We're going to start reading from verse 5. Nous allons commencer à lire à partir du verset 5. Can you hear what the Holy Spirit is saying? Entendez-vous le Saint-Esprit vous parler? God is really challenging us. Vraiment Dieu nous défie aujourd'hui. He wants to continually speak to us about faith. Il veut nous parler continuellement de la foi. But today in particular, he's adding another ingredient called perseverance. Mais aujourd'hui, il veut que nous ajoutions à la foi un autre ingrédient qui est la persévérance. It's like when you make a cake, right? You need one ingredient at a time to make the cake. C'est lorsque vous faites un gâteau, c'est la même chose. Il faut ajouter les ingrédients qu'il convient un après l'autre. But all the ingredients have to be present if you want your cake to taste good and have the right texture. Et si vous voulez que votre gâteau soit réussi, il faut absolument ajouter les ingrédients comme il le faut. This week I tried to make a vegan cake. Alors cette semaine, j'ai essayé de faire un gâteau vegan. You know how hard it is to find replacements for butter and eggs? Savez-vous combien c'est difficile de trouver quelque chose pour remplacer les œufs et le beurre? But you can't make the cake without those elements. Et bien sûr, on ne peut pas faire un gâteau sans beurre et des œufs. And we cannot inherit the promises of God with both elements, faith and perseverance. De la même façon, je vous encourage à garder la foi et la persévérance accrochées dans vos cœurs. 2 Peter chapter 1 verse 5. Read along in French. 1 verset 5 à 8, lisez-le sur votre Bible en français s'il vous plaît. For this very reason, make every effort. Okay, God is talking to you and I. The Christians, it's up to us to make every effort to add to your faith goodness, and to your goodness, knowledge. See all the ingredients coming together for the cake? To your knowledge, self-control. To self-control, perseverance. It's one of the ingredients. And then after that, it continues. Godliness, affection, and brotherly love. All right, now verse 8. If you possess these qualities, in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unfruitful or unproductive in your knowledge of the Lord Jesus Christ. In other words, brothers and sisters, you're not called to be ineffective and unfruitful. Et you are vous, not called to be vous n'êtes ineffective. Pas appelé à être oisif ni stérile. You are created and called to be fruitful. Vous êtes appelé à porter du fruit. But did the beginning of this verse confuse you a little bit? Est-ce que le début de ce passage vous donne un petit peu de confusion? Because when I read it, it starts off for this reason. I go, what reason? Parce que ce passage commence par à cause de cela même. Mais quelle raison en fait? For what reason? I have to go further up to find out. À cause de quoi?
And we'll close with this. On va terminer avec ça. Start with verse 3. Au verset 3. I don't even think I wrote it down. Yes, I did. It says, seeing that his divine power has given us everything pertaining to life and godliness through the knowledge of him who's called us by his glory and his virtue, which assures us of the greatest and most precious promises, so that through these things you and I become partakers of the divine nature, fleeing the things in the world, like lust and stuff. His divine power gave us everything, brothers and sisters. Je vous dis, mes frères et mes sœurs, sa divine puissance nous donne toutes choses en lui. His divine power is what makes faith arise in your heart. Sa divine puissance va vous donner la foi, la force dans votre cœur. His divine power gives you the strength to persevere. Sa divine puissance va vous donner la persévérance pour continuer avec lui. His divine power gives you the ability to see his promises accomplished. Sa divine puissance va vous permettre de voir les accomplissements de ses promesses pour vos vies. Let me say this to you. Laissez-moi vous dire ceci. You already possess everything you need to walk in faith and perseverance. Vous avez déjà en vous tout ce qu'il faut pour marcher dans la foi et la persévérance. You have no reason to give up. Il n'y a aucune raison d'abandonner. No reason to withdraw. Aucune raison de vous retirer. God is simply saying to us today. Dieu simplement est en train de nous dire aujourd'hui. Believe as though everything depends on him. Croyez comme si tout dépendait non pas de vous mais de lui. But persevere as though everything depends on you. Mais persévérez comme si tout dépendait de vous. I'd like you to stand up, please, as we J'aimerais que nous nous levions. The Holy Spirit is really speaking to a number of people in this room. Le Seigneur est vraiment en train de parler à beaucoup de gens aujourd'hui. And we want to respond when we hear the voice of God. Amen? Et lorsqu'on entend sa voix, nous voulons répondre au Seigneur. So can I have the prayer teams up with us, please? Je vais demander à l'équipe de prière de venir. We're going to come into a time of focusing on the Lord. Nous allons entrer dans une période de focus vers le Seigneur. Worshiping his name. Nous allons adorer son nom. Abandoning our lives to him. Il faut abandonner sa vie au Seigneur. And as we do this, the Holy Spirit is going to move in our hearts. Et alors que nous faisons cela, le Saint-Esprit va agir dans nos cœurs. And some of you are going to recognize today that you might need some assistance in prayer. Et certains d'entre vous, vous ressentez peut-être le besoin d'être aidés dans la prière. That's why we have people available for you. Et c'est pour ça que nous avons des gens qui sont là pour vous. Just open your heart right now before the Lord. Ouvrez votre cœur aujourd'hui devant le Seigneur. Be honest with yourself and honest with God. Soyez honnête avec vous-même et devant Dieu. If you heard the voice of God today, si aujourd'hui vous avez entendu la voix de Dieu, it is time to respond. C'est le moment de lui répondre. In two areas. Dans deux domaines. First of all, today you might recognize that your faith has been wounded. Peut-être qu'aujourd'hui vous reconnaissez que votre foi a été atteinte. Come up for prayer and you will see God restore. Que vous êtes blessé à l'intérieur, venez devant pour que l'on puisse prier pour vous, pour que votre foi soit restaurée. If you're not coming up for prayer, just lift your hands. Et si vous ne sentez pas le besoin de venir pour la prière, eh bien, simplement levez vos mains vers le ciel. Meet with him heart to heart. Rencontrez-le cœur à cœur. Let him restore your wounded faith and heal you. Laissez-le vous toucher, guérir votre foi et votre cœur. The second area where God wants to move. La deuxième aspect dans lequel Dieu voudrait toucher aujourd'hui. Is if you recognize today somehow your perseverance has stalled like a car. Si vous reconnaissez que votre persévérance tout d'un coup s'est arrêtée comme une voiture. Calée comme une voiture. Ok, la calée. God wants to restart it like he does with, you know, you can do with the batteries, the jumper cables. Dieu voudrait que vous redémarriez avec peut-être des câbles de démarrage. Today is a day where God is going to unite in your life faith and perseverance. Aujourd'hui est le jour où Dieu va unir la foi et la persévérance dans vos cœurs. So if you're not coming up to receive prayer now, lift your hands. Alors si vous ne voulez pas venir recevoir la prière devant, au moins levez les mains vers le ciel. Let God go deep. Laissez Dieu agir profondément en vous. He's going to begin to reveal
impure motives. Il va vous révéler des motivations qui ne sont pas droites. He's going to reveal a lack of communion, perhaps, with Jesus. Peut-être il va vous révéler un manque de relation avec le Seigneur Jésus. He's going to reveal a certain resistance that you haven't recognized yet. Peut-être il va révéler en vous une certaine résistance dans certains aspects de votre vie. Just pray with me, brothers and sisters. Pray in the Spirit. Come up if you'd like to receive prayer. The Holy Spirit is showing me. Le Saint-Esprit me montre. Showing me that some people here have a certain amount of mistrust. Me montre qu'il y a des gens ici qui ont une certaine méfiance. Why? Un manque de confiance. Pourquoi? Because in previous years you placed your trust somewhere and you were disappointed. Parce que quelque part, les années précédentes, vous avez mis votre confiance dans quelque chose et vous avez été déçu. I even heard someone say in their heart, "What? Another building project?" Et j'entends même dans le cœur de certaines personnes quelque chose qui dit, quoi, encore un projet d'acheter un autre bâtiment? You guys know who I'm talking about and what I'm talking about. Vous savez de quoi je parle. God wants to heal that today. Dieu veut vous guérir. He's inviting you to renounce mistrust and receive faith. Il vous invite à renoncer à la méfiance et à recevoir la foi dans vos cœurs. If that's you, come forward for prayer if you'd like. Si c'est vous et que vous le souhaitez, vous pouvez vous approcher pour la prière. Let's continue just listening to the Holy Spirit. Continuons à écouter le Saint-Esprit. Some of you in this room, certains d'entre vous dans cette pièce, are starting to recognize a certain amount of indifference. Vous reconnaissez même de l'indifférence dans vos cœurs. God wants to remove indifference and replace it with perseverance. Dieu veut retirer son indifférence et la remplacer par de la persévérance. Because he wants both faith and perseverance to be visible in our lives. Parce qu'il veut que votre foi et votre persévérance soient visibles dans vos vies. So if you need to renounce indifference, do that now. Si vous devez renoncer à l'indifférence, faites-le maintenant, s'il vous plaît. Renounce doubt and unbelief. Renoncez au doute, à l'incrédulité. Renounce apathy. Renoncez à de l'apathie. And let God fill your tank with perseverance. Et laissez le Seigneur remplir votre réservoir de persévérance. Let's continue just for a few more moments before continuons, we close the service. Continuons ensemble à prier, à rechercher sa face. The Lord does not want you to deprive yourself of his precious promises. Le Seigneur ne veut pas que vous manquiez ses promesses pour vous. Let's continue a few more minutes. God is doing a deep work. Dieu est en train de faire un travail profond. You will not leave this place the same way you came in. Vous ne quitterez pas ce lieu le même ou la même que vous êtes venu. Today is a wedding day for faith and perseverance. Aujourd'hui est le jour du mariage, de la foi et de la persévérance. Some of you have been believing for a marriage, a wedding. Certains d'entre vous ont rêvé, ont souhaité, ont prié pour un mariage. The Lord is saying, delight in the Lord and he will give you the desires of your heart. Et le Seigneur te dit, fais de lui tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Some of you are believing to have children. Certains d'entre vous priez pour avoir des enfants. Receive the seed of faith today. Recevez la semence de la foi dans vos cœurs aujourd'hui. Persevere and believe. Persévérez et croyez. And know that your God is good and faithful. Et sachez que Dieu est bon et fidèle. Just another minute.
Some of you have been believing for miraculous intervention in your professional life. Et quelques-uns d'entre vous ici, vous avez prié et espéré pour une intervention divine au niveau de votre travail. Now is the time to go further in your fellowship with Jesus. Maintenant est le moment d'entrer dans une communion plus profonde avec le Seigneur Jésus. Now is the time to examine the motives of your heart. Maintenant est le moment d'examiner les motifs de votre cœur. This is going to happen as you persevere. Et ces miracles vont se produire alors que vous persévérez, croyez-moi. Your faith will get you to the threshold that your perseverance will make you enter in. Votre foi va vous mener au seuil de votre miracle, mais votre persévérance va vous y faire entrer. Just start to thank the Lord now. Remercions le Seigneur ensemble. Thank you, Lord. We worship you, Jesus. Lift your voice. Bless his name. Nous bénissons ton nom. Thank you, Lord, for your goodness, loving kindness. Thank you, Lord. Merci, Seigneur.